itself. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. Human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. Space Station today is the largest and most capable space station ever flown. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station, and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Presence in space. Presence in space. Comme l'a dit Bruno, je vais essayer de vous parler des hypothèses de l'astronomie, enfin de quelques hypothèses, hein, parce que s'il fallait parler de toutes les hypothèses qu'on a pu faire depuis qu'on s'intéresse à ce genre de choses, il faudrait toutes les conférences, et je ne sais même pas si on y arriverait. Donc je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'hypothèses qui sont intéressantes, qui ont été posées au cours de l'histoire. Je vais en profiter aussi pour vous montrer un peu la démarche scientifique. Comment on fait d'abord on fait des hypothèses ou des constats, on en déduit des, on fait des hypothèses pour essayer de les expliquer, et puis ensuite il faut vérifier ces hypothèses. Et il y a diverses manières pour le faire. On peut faire des vérifications expérimentales, on peut faire des théories, voir si ces théories expliquent les hypothèses. On peut faire aussi des hypothèses théoriques, et à ce moment-là, il faut les vérifier par expérience. Enfin, tout est enchevêtré là-dedans. D'accord ? Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que vous allez voir... Alors, c'est pas du tout un fil rouge, ou un fil noir, ou un fil vert, hein, c'est vraiment un exposé grand public. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaîtrez déjà, peut-être pas, on verra, on dirait à la fin. Donc on va commencer par le début, hein. Le début c'est l'Antiquité. En astronomie, on a commencé à s'intéresser à ces choses-là dans l'Antiquité. Faut pas remonter très 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 loin, parce que très 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 loin c'était pas vraiment de la science, hein. On se posait pas vraiment de questions, justement, on faisait pas vraiment d'hypothèses dans la très très haute antiquité. Par contre, à partir d'un certain moment, disons vers le 6e siècle, on a commencé à faire des hypothèses et on a commencé à les tester. Alors au début, c'est vraiment très très simple, hein, c'est la Terre et le Soleil. Et vous allez voir déjà qu'avec uniquement la Terre et le Soleil, des objets très simples, hein, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites, qui ont été testées, qui ont été mises en avant. Disons que très rapidement, on a compris beaucoup de choses. Et puis ensuite, vous allez voir que tout ça, ça s'est un peu perdu, puis c'est revenu. Il y a vraiment des allers-retours là-dessus. Vous allez voir. Alors, tout d'abord, on commence... Pour moi, dans l'Antiquité, dans le domaine de l'astronomie, il y a vraiment trois grands noms qu'il faut retenir, hein. Ils sont là. En plus, c'est un coup de chance extraordinaire, ils sont contemporains. D'accord ? Donc c'est Aristarque de Samos, Ératosthène de Cyrène et Archimède de Syracuse. Alors, ça c'est leur nom, puis ça c'est l'endroit d'où ils venaient. Hein. D'accord ? Alors en plus, donc, vous voyez, ils ont vécu, il y a vraiment une partie commune à leur vie. Hein. D'accord ? Et en plus, donc, il y a une unité de temps, et il y a aussi une unité de lieu. D'accord ? Si on regarde un petit peu où est-ce qu'ils vivaient et comment ils se sont déplacés, où est-ce qu'ils ont un peu agi, ben ils ont vraiment agi dans des endroits qui étaient très proches. Alors vous allez dire, c'est normal, hein, puisqu'à cette époque-là, tout était centré autour du bassin méditerranéen, mais effectivement, ils se sont rencontrés. Alors, Archimède, il a surtout vécu en Sicile, on ne sait pas très bien s'il s'est déplacé, etc. Mais en tout cas, il a lu les œuvres de ses deux autres contemporains, puisque c'est essentiellement grâce aux travaux d'Archimède et à ses écrits qu'on sait ce qu'ont raconté les deux précédents, qui n'avaient pas forcément, à partir desquels, on ne sait pas exactement tout ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, mais Archimède a parlé de leurs travaux. Et puis les deux autres, hein, il y en avait un qui vivait là, Ératosthène qui vivait par là, ils se sont retrouvés, on sait, on est à peu près certains qu'ils se sont rencontrés. Alors, donc on a unité de temps et unité de lieu, d'accord ?
Et en plus, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est donc essentiellement c'est les travaux de ces deux messieurs-là sont vraiment extraordinaires. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Normalement, leurs travaux sont au programme de plusieurs classes dans l'éducation nationale. C'est déjà au programme du CM1, CM2. On doit parler d'Ératosthène. Aristarque, c'est prévu d'en parler en quatrième et en première. D'accord. Donc, normalement, vous connaissez tout ça par cœur. OK. Par cœur. Donc je vais strictement rien vous apprendre, normalement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, Aristarque, c'est vraiment quelqu'un, c'est pour moi un pur génie. Parce que vous avez entendu dire que les Grecs ont tout fait. Hein. Ils ont inventé les atomes, ils ont inventé les mathématiques, ils ont inventé la logique, ils ont inventé la philosophie, etc. Et quand on regarde vraiment, ils ont fait énormément de choses. Mais quand on regarde un peu en détail, en fait, ils procédaient par débat. C'est-à-dire qu'ils se rassemblaient, et puis ils débattaient, ils discutaient. Et puis, ils se rassemblaient, ils disaient, bon, tous ceux qui sont de ce côté vont essayer de défendre la thèse de l'atome, et tous ceux qui sont de ce côté vont essayer de défendre le contraire. Et puis, par argumentation, etc., ils arrivaient à se convaincre les uns les autres, et puis ils faisaient des conclusions, thèse, antithèse, synthèse. C'était la démarche de la réflexion antique, d'accord ? Enfin, grecque surtout. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais très peu de choses qui ont été étayées par des vraies expériences. Quand on dit que Démocrite a découvert les atomes, en fait, il a proposé cette idée, mais il n'y a aucune expérience qui a pu être menée qui a conclu à l'existence réelle des atomes. Hein. La mise en évidence expérimentale de ces objets, c'est plutôt vers la fin du 19e et début du 20e. D'accord. Donc ils ont proposé ça, mais il n'y a pas tellement d'expérience. Dans le cas que je présente ici, Aristarque, c'est le contraire. Il y a vraiment des expériences reproductibles, simples, que tout le monde peut faire. C'est pour ça que c'est au programme de classe très élémentaire, hein, qui aboutissent à une conclusion à propos de laquelle, eh ben, des hypothèses, si vous voulez, on est amené à faire des hypothèses nouvelles par rapport à celles qu'on pouvait faire avant. Et tout le monde peut être amené à refaire ses expériences. Ce n'est pas une affirmation, si vous voulez. C'est une expérience. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Hein. Le travail d'Aristarque, ça a été de se poser des questions, dans un premier temps, sur les éclipses de Lune. Alors, les éclipses de Lune, hein, vous en avez déjà vu, j'imagine. Ça se produit à peu près une fois par an. Alors, le problème, c'est que ça se produit tard. Alors, maintenant, la Lune, il y a plein de gens qui ne savent même plus que ça existe, hein, parce qu'on ne la voit plus dans les villes. Et puis ça, les éclipses de lune, ça se passe à 3h du matin, et puis comme tout le monde doit aller au boulot le matin, ben, ils n'ont pas envie de ne pas dormir la nuit et tout ça. Les enfants, ils disent, ouais, on m'a dit à l'école, il fallait que je regarde l'éclipse de lune, mais les parents, ils disent, non, tu dois dormir et tout, sinon, bon. Donc il y a très peu de gens qui regardent les éclipses de lune. Alors que lui, Aristarque, il n'avait rien d'autre à foutre. Hein. C'était son boulot. Il était passionné par ça et il s'est posé des questions. Alors une éclipse de lune, hein, vous en avez déjà vu, ou en tout cas vous avez déjà vu des photos. Donc ça commence au début, il y a la Lune, et puis la Lune commence à disparaître hein, petit à petit, puis ensuite elle réapparaît. Et alors, il voit ça, il se pose des questions. Alors les hypothèses qui expliquaient ce genre de phénomène à l'époque d'Aristarque, c'était, dans le meilleur des cas, il y avait une espèce de loup qui bouffait la Lune parce qu'elle avait fait des bêtises, pour rester poli. Et donc le loup, il n'était pas content, il mangeait la Lune, et puis après, elle réapparaissait. Bon, il y avait tout un tas de mythologies là-dessus. Hein. Aristarque, lui, il dit, il y a quelque chose de plus simple. Quand je me mets devant une lumière, derrière moi, il y a une ombre. D'accord ? Et donc, peut-être que ce qu'on voit là, c'est un jeu d'ombre et de lumière. D'accord ? Et donc, si je considère cette situation, en fait, peut-être que ce que je vois là, c'est la Lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. D'accord ? Alors, en fait, la Lune, elle y est toujours là. Seulement, il y a la Terre qui la cache, avec son ombre. D'accord ? Et alors, en faisant ce dessin, ben, je peux essayer de dessiner cette ombre de la Terre. Facile. Alors, lui, il faisait ça à la plage. Parce que maintenant, c'est facile, hein, on a des iBooks, du papier, des crayons, des trucs extraordinaires, mais lui, il n'avait que dalle, hein. C'était la loose. Hein. Donc, il se mettait à la plage, et avec un bâton, il faisait des dessins. D'accord ? Et donc, vous pouvez faire ce dessin à la plage, hein. Vous allez à la plage, vous attendez une éclipse de lune, et puis vous faites le dessin. Alors, à partir de là, vous pouvez dessiner. D'accord ? Vous pouvez dessiner... Alors là, ça marche. Ah si, ça marche. Vous pouvez dessiner l'ombre de la Terre. D'accord ? Le truc, alors c'est...
c'est approximatif, hein, mais bon, c'est à peu près correct. Il dessine l'ombre de la Terre, et puis il fait une hypothèse. Il dit, alors l'ombre, normalement, elle doit grandir, ça doit plutôt être un cône, hein, l'ombre de la Lune, de la Terre, ça doit être un cône. Je vais faire l'hypothèse que c'est un cylindre, d'accord? Et donc, en fait, ce que je vois là, eh ben, c'est exactement la taille de la Terre par rapport à la taille de la Lune. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment simple hein, comme truc. Et donc, à partir de là, ben, il peut faire, sur le truc qu'il a dessiné sur le sable, là, ben, il peut estimer le rapport entre la taille de la Lune et la taille de la Terre. D'accord? Et alors il trouve que, c'est ce qu'il dit, hein, à peu près, la Terre est grosse comme trois fois la Lune. Ok? Ça, c'est le lemme numéro 1. Hein, quand on fait des mathématiques, il y a des lemmes, puis à la fin, il y a un théorème. Donc là, il va y avoir trois lemmes et un théorème. Premier lemme, première hypothèse, si vous voulez, la Terre est grosse comme trois fois la Lune. Bon. Et ça, si vous n'êtes pas d'accord, bah, proposez une autre explication. Là, on ne peut pas dire trop le contraire. Ou alors, qu'est-ce que c'est ces histoires d'ombre, de lumière? Vous pouvez tout remettre en question. Mais si vous rentrez dans ce système de pensée, bah, voilà la conclusion. Alors, deuxième conclusion, deuxième expérience, toujours avec la Lune. Hein. Il kiffait la Lune. Hein. Alors, vous avez tous vu un jour dans votre vie la Lune dichotome, comme il dit, hein, la moitié. Alors c'est soit un premier quartier, soit un dernier quartier. Alors quand vous êtes dans cette configuration, ben, en fait, réfléchissez un petit peu, c'est que, en fait, puisque vous êtes sur la Terre et que vous voyez exactement la moitié de la Lune, hein, vous êtes par ici, à Florence, hein, d'accord, vous voyez la moitié de la Lune, ben, si vous voyez la moitié de la Lune, c'est qu'elle est éclairée exactement comme ça, de moitié. Hein. Il y a un angle droit ici. D'accord? Il y a exactement un angle droit ici. Donc, quand vous voyez la moitié de la Lune, ben c'est parce que la Terre, la Lune et le Soleil sont dans une configuration qui fabrique un triangle rectangle. Ça, c'est vraiment au programme de 4e, hein, et même de 3e et de CM2. Enfin, c'est la base. Hein. D'accord? Bon. Alors, vous me voyez venir, là. Hein. Triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle, si vous avez vu Madame Pichon en maths, hein, la fameuse, vous savez qu'il y a le théorème de Pythagore. En plus, ça marche, hein, historiquement. Pythagore, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, donc pas de problème. Théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore, il vous dit que ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré. Hein. Ça, c'est pas besoin d'avoir fait un fil noir hein, pour savoir ça. Et puis, il y a un peu mieux que le théorème de Pythagore, il y a Euclide. Hein, Euclide, il vivait avant... Aristarque. Et Euclide, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que la somme des angles d'un triangle doit faire 90 degrés. C'est pas pi sur 2, justement, c'est 180 degrés. Il y a une erreur, là. Il faut écrire au mec qui a écrit ces bêtises, là, ça va pas du tout. Alors, alpha, oui, ça marche. Donc, vous mesurez ici. La somme des angles d'un triangle doit faire 180 degrés. Et donc là, ça marche, puisqu'il y en a un qui est comme ça. Alors, puisqu'on est dans un triangle rectangle, donc c'est bon, tout va bien. Alors, vous êtes sur la Terre, d'accord? Vous savez que vous êtes dans une configuration qui est comme ça, ok? Alors, pi sur 2, c'est 90 degrés, hein, pour ceux qui ne savent pas convertir les radians en degrés. Hein. Mais il faut, par contre, pour les applications numériques, il faut garder des radians, sinon ça ne marche plus. Hein. Mais bon. Donc, vous êtes sur la Terre, et vous voyez ça dans le ciel. Alors ça se produit avant que le soleil se couche, quand vous êtes au premier quartier, ou juste après le lever du soleil, quand vous êtes au dernier quartier. Mais vous pouvez voir dans le même ciel, la moitié de la Lune et le soleil en même temps. Et donc, dans cette configuration, d'accord, il se met, et puis, avec deux bâtons, il pointe le soleil et il pointe la Lune. Et puis, il demande à un associé, un collègue, hein, de mesurer l'angle entre les deux bâtons. Ben, l'angle entre les deux bâtons, ben, c'est exactement cet angle-là. D'accord? Oui, c'est une expérience, c'est débile hein, comme expérience. Alors, il faut bien pointer. Hein, d'accord? Si vous faites une petite erreur, ça ne va pas. C'est une expérience, c'est délicat. Le résultat de la mesure est discutable. D'accord? Il faut évaluer les barres d'erreur. Et donc, c'est pour ça que c'est une expérience qui est délicate. Il n'arrive pas à un résultat qui est très concluant. Mais il obtient une valeur supérieure. La valeur supérieure de cet angle qu'il obtient, c'est 3 degrés. Donc c'est un tout petit angle, hein, 3 degrés.
D'accord ? Donc ça veut dire que ben là, il y a 87 degrés, si vous voulez. Donc 87 plus 3, ça fait 90, plus 90, ça fait 180, Euclide, il est content. OK ? Et donc, si vous avez la valeur de cet angle, en mesurant avec les bâtons, là, ben vous en déduisez la valeur de cet angle aussi, et vous en déduisez, par application du théorème de Pythagore, le rapport de la distance qui est là à la distance qui est là. C'est simplement, comme on dit, la tangente de cet angle qui est là. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il évalue la valeur minimale de cet angle, et puis il en déduit la valeur minimale de ce rapport. D'accord ? Et voilà ce qu'il trouve. Il trouve que, puisque bêta est petit, alors la distance entre la Terre et le Soleil est à peu près égale à la distance entre la Lune et le Soleil. Ça, c'est vrai. Hein, si vous imaginez que le Soleil est très loin, là, ben, la distance qui est là, c'est à peu près la distance qui est là. Hein, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Et ensuite, en appliquant ce théorème de Pythagore, ben, vous pouvez montrer que la distance entre la Terre et la Lune, d'accord ? C'est égal à la distance entre la Terre et le Soleil multipliée par l'angle qui est là. Ça aussi, c'est assez facile. Et donc, comme il a mesuré l'angle qui est là, eh bien, il en déduit la distance entre la Terre et le Soleil. D'accord ? En fonction de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il trouve ? Je vous rappelle qu'on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, quand même. Hein ? D'accord ? 3e siècle avant Jésus-Christ. Il fait tout ça sur la plage. Alors, il trouve que le Soleil est au moins 20 fois plus loin que la Lune. Au moins. D'accord ? Alors, la valeur exacte moderne, c'est 400 fois plus loin que la Lune. Mais pour ça, il faut mesurer l'angle très précisément. Comme il ne peut pas le faire, ben, il dit que c'est au minimum 20 fois plus loin. Alors, je vous fais le schéma, là, avec les échelles d'Aristarque. Donc, ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Lune. Hein. La Lune est 3 fois plus petite que la Terre. Donc, ça marche. D'accord ? Et puis là, vous avez le Soleil, d'accord ? Qui est 20 fois plus loin. Hein, vous avez l'unité là, donc il y a 20 unités là, 20 fois plus loin. Dernière remarque, lemme numéro 3. Donc lemme numéro 1, la Terre est grosse comme 3 lunes. Deuxième remarque, le Soleil est 20 fois plus loin que la Lune. D'accord ? Facile. Troisième remarque. Une éclipse de soleil se produit et dure très peu de temps. Hein, vous avez déjà vu peut-être des éclipses de soleil. Le soleil commence à être caché, et puis il est caché, et puis hop, tout de suite, le soleil continue sa course, et il n'est plus caché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, ça veut dire que le diamètre apparent de la Lune est à peu près égal au diamètre apparent vu de la Terre, hein, la taille de la Lune et la taille du Soleil, c'est à peu près la même, puisqu'ils se superposent pendant très peu de temps. OK ? Alors là, ben vous faites le schéma qui est ici. D'accord ? Et donc, vous faites l'observateur qui est là, ici. Vous faites la Lune. Et puis, vous tracez deux traits, d'accord ? Qui vont jusqu'à 20 fois plus loin. Et puis, vous obtenez la taille du Soleil. D'accord ? Facile. Et donc, à la fin, vous obtenez la Lune qui a cette taille, la Terre qui a cette taille, le Soleil qui a cette taille. Conclusion. Alors, la conclusion est en grec, parce que Aristarque était grec. D'accord ? Alors, c'est quoi la conclusion ? Alors, c'est écrit là, mais c'est à l'envers. Conclusion, c'est écrit. Hein. Pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche ? Vous avez un truc, là, qui est chaud, parce que les pythagoriciens avaient mis en avant l'hypothèse que c'était le Soleil qui était à l'origine de la chaleur qu'on reçoit sur la Terre. C'est discutable, hein, mais tout le monde était convaincu par ça. C'est le Soleil qui envoie la chaleur. Le Soleil est chaud. Donc le Soleil est loin, et il fait chaud. Donc le Soleil est très chaud. D'accord ? Donc c'est une énorme torche. D'accord ? Et alors, pourquoi ? C'est pas logique de faire tourner la torche autour de la mouche. Ce qui est logique, c'est de faire tourner la mouche autour de la torche. D'accord ? Donc, 3e siècle avant Jésus-Christ, Aristarque comprend que le modèle géocentrique qui prévalait, hein, alors il prévalait depuis pas très longtemps, parce que ça faisait à peine 2 siècles que la Terre était plus plate. Hein, vous savez que la Terre a fini d'être plate dans l'Antiquité.
à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand on a observé le mouvement des bateaux qui s'éloignent au fond, là, on voyait disparaître d'abord la coque, puis le mât, et quand les bateaux arrivaient, on voyait d'abord le mât, puis la coque. Et donc on s'était dit, ben, peut-être que la Terre est ronde. Et puis quand je vois l'ombre de la Terre sur la Lune, c'est rond. Donc la Terre est ronde, le Soleil est rond, la Lune est ronde. D'accord ? Tout ça, c'est des boules. D'accord ? Donc, pourquoi ? Donc la Terre est pas plate. La Terre est plate, pardon. D'accord ? Et ensuite, ben, tout, normalement, hein, tout tombe sur la Terre, donc la Terre est au centre. Hypothèse naturelle. Ben, c'est pas logique que la Terre soit au centre. Pourquoi ? Ben, raisonnement d'Aristarque. Tout le monde lui dit bravo. Super, ok. Le Soleil est au centre et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors pourquoi on dit que c'est Copernic qui a découvert ça? Parce que, bien sûr, hein, vous avez appris que c'est Copernic et la révolution copernicienne, le système héliocentrique, etc. Alors que Aristarque, au 3e siècle avant Jésus-Christ, propose une hypothèse qui est complètement différente et qui est étayée par un raisonnement, hein, vous avez vu. Si vous n'êtes pas d'accord, refaites l'expérience, vous allez voir, vous allez trouver pareil. Alors pourquoi on a réfuté cette hypothèse? Je vais en parler un petit peu plus tard parce que c'est intéressant. Donc, on fait une hypothèse, comment on la réfute? Je vais vous expliquer pourquoi on la réfutait. Vous allez me dire, oui, c'est parce qu'il y a la religion, etc. Pas que. La religion, ça apparaît bien plus tard. On est au 3e siècle avant Jésus-Christ. La religion chrétienne, par exemple, ça va avoir son apogée, ça a commencé à dominer dans le raisonnement scientifique à partir du 2e, 3e siècle. D'accord? Donc pendant 5 siècles, c'est pas pour des raisons religieuses qu'on a évincé cette hypothèse que c'était le Soleil qui était au centre et pas la Terre. C'est pour des raisons scientifiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on fait des hypothèses sur la Terre. Le collègue d'Aristarque, qui s'appelait Eratosthène, lui, il a fait une autre expérience, tout aussi géniale. Celle-là, elle est plus connue. Alors, Aristarque vivait dans la même région qu'Eratosthène, autour d'Alexandrie. Et Alexandrie, c'était une ville extraordinaire, hein, avant de venir l'enfer des boîtes de nuit. Hein. C'était un endroit extraordinaire, où il y avait toute une volonté de préserver la science, il y avait une énorme bibliothèque. Tous les bateaux qui rentraient dans Alexandrie, on les visitait, on faisait des bilans de tout ce qu'ils avaient dedans, tout ce qu'ils transportaient, le volume des bateaux, on demandait d'où ils venaient, combien de temps ils avaient mis pour venir, etc. Et donc, tout un tas de gens concentraient ces informations dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui recélait un grand nombre d'informations, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. C'était une sorte de centre de recherche de toute l'Antiquité, qui a été complètement détruit, hein, en plusieurs époques. Notamment, alors il y a Jules César qui a brûlé une partie pour faire plaisir à sa copine. Il y a eu un calife aussi qui a brûlé. Il y a eu à l'époque d'Hypatie aussi, au 2e siècle, on a brûlé la bibliothèque. On a très très peu de traces, même je crois pratiquement plus aucune trace de tous ces documents. Eh bien, Eratosthène était un conservateur de cette grande bibliothèque. Et il avait entendu parler du fait qu'il y avait un puits à Sienne, au fond duquel, le jour du solstice, eh bien, on voyait le dessin du soleil se dessiner au fond du puits dans l'eau. D'accord ? Alors il réfléchit, il compile, d'accord ? Et il se dit, ben, si ce jour-là, le soleil est exactement au-dessus du puits, là, d'accord, à l'angle droit. Tout le soleil étant très loin, tous les rayons du soleil arrivent parallèlement. D'accord ? Le soleil vient de les rayons viennent de l'infini. Et donc, si la Terre est une sphère comme ça, si je me mets un peu plus loin sur le même grand méridien, c'est-à-dire un grand cercle de la Terre, eh bien, si j'ai un objet qui est planté tout droit, comme par exemple l'Obélix, hein, celle qui s'est fait piquer par Napoléon, avant qu'Obélix et Astérix fassent des trucs, eh bien, il va y avoir une ombre portée ici. D'accord ? Et donc, si je mesure la longueur de l'ombre portée qui est ici, toujours en appliquant le même théorème de Pythagore, là, très simple, hein, pour les enfants, je vais pouvoir calculer cet angle. Mais cet angle-là, c'est cet angle-là. D'accord ? Donc si je connais cet angle, et si je connais cette distance, par un petit calcul très simple, hein, sur les cercles, je vais pouvoir connaître le rayon de la Terre. Et si je connais le rayon de la Terre, je vais multiplier par 2π, et je vais trouver la circonférence de la Terre. Je vous rappelle qu'on est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Alors, il fait l'expérience. Alors, d'abord, il va voir qu'à Sienne, il y a bien ça, parce qu'on lui a raconté, mais il n'y croit pas. Hein. Il dit, qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Il va voir, il voit qu'effectivement, le 21 juin, pof,
à midi, le soleil se met exactement. Alors, il ne faut pas mettre la tête, parce que sinon on cache, mais il faut regarder astucieusement. Mais... Alors, apparemment, il y est toujours, ce puits, hein. D'accord ? Ce puits à Sienne. Si vous allez à Sienne, demandez à visiter le puits, il est caché dans un bazar ou je ne sais pas quoi, mais il existe toujours. Alors, il va voir, et puis l'année suivante, il ne va pas voir. Il reste à Alexandrie, et il mesure la longueur de l'ombre à midi. Et il se dit, à midi pile, je vais mesurer la longueur. Alors comment on fait pour faire l'expérience ? Ben, c'est très facile, il suffit de mesurer la longueur minimale de l'ombre portée. Le 21 juin, à midi, vous aurez la longueur minimale hein, de l'ombre portée. C'est une expérience qu'on peut faire très très facilement. Hein. Je la fais très très souvent avec des écoles, des CM2. Je la fais dans des endroits. Alors, je leur demande, j'essaye de relier l'utile à l'agréable. La dernière fois que j'ai fait cette expérience, c'était à Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Alors Pierre, il se fait payer en tariqué. Moi, je me fais payer en Châteauneuf-du-Pape. Donc c'est super, hein, je vais là-bas, on boit bien et tout ça, et puis on fait l'expérience des ratostènes. Alors il faut une autre ville hein, pour faire ça, et là c'est avec une école au Bénin. Donc on a fait la même expérience, et puis on a trouvé la même valeur. Donc, Ératosthène fait sa mesure, et il mesure que alpha, là, c'est 1/50 de cercle. C'était l'unité de l'époque. Hein, un cercle, et puis 1/50 de cercle. Et donc il en déduit, alors il faut déterminer la distance entre Alexandrie et Sienne. Alors ça, il y a plusieurs hypothèses. Il n'a pas dit comment il avait fait. Première hypothèse, il a demandé à des mecs qui... C'est sur le Nil, hein, tout ça, Sienne, Alexandrie. Il demande aux gens qui descendent en bateau combien de temps ils ont mis. Il connaît la vitesse du bateau, il en déduit la distance. Il y a aussi des gens qui disent qu'il est monté sur un chameau et qu'il a compté le nombre de pas du chameau. Si vous multipliez ensuite par la distance interpatte moyenne d'un chameau standard alexandrin, vous obtenez la distance entre Sienne et Alexandrie. Troisième hypothèse, la plus convaincante à mon avis, ben, il avait ça dans ses données dans la grande bibliothèque. Hein. Il suffisait qu'il aille dans le bon rayon, Sienne-Alexandrie, il avait la distance. Donc vous avez la distance, 5000 stades routiers. Le stade routier, c'était l'unité de mesure des distances un peu grandes. Alors, un des problèmes de cette expérience, c'est qu'on ne sait pas très bien quel stade il faut utiliser. Si vous utilisez le stade, donc la circonférence de la Terre, c'est 250 000 stades, hein, puisque c'est 1/50 de cercle, vous avez 2500 stades. 250 000 stades, pardon, routiers. Alors, combien ça vaut un stade routier ? Ben là, il y a plusieurs possibilités. Si vous prenez le stade grec, ça fait 157,5 mètres. Si vous prenez le stade attique, celui d'Athènes, pardon, bah c'est 184 mètres. Si vous prenez le stade Vélodrome à Marseille, ça fait 333 mètres. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Je suis marseillais, moi. Hein. Alors, si on prend l'hypothèse qu'il a utilisé l'unité qui avait cours à Alexandrie, là où il habitait, eh bien on trouve que bah, Aristarque, au 3e siècle avant Jésus-Christ, calcule la circonférence de la Terre et trouve... 39 400 km. Alors la valeur exacte moderne, mesurée par GPS et tout, hein, c'est 40 075 km à l'équateur. Hein, d'accord ? Alors, pendant 17 siècles, on retiendra d'autres hypothèses, hein, vous êtes au courant. Hein, d'accord ? Il y a eu la révolution copernicienne, parce qu'on n'a pas cru aux idées d'Aristarque. Et puis ensuite, vous savez que pendant un long moment, la Terre, elle a eu des propriétés étranges. Hein, d'accord ? Par exemple, la Terre, elle est souvent présentée comme étant beaucoup plus petite que ça. Hein. Par exemple, Posidonius, qui est à peu près 50 ou 60 ans après Eratosthène, fait d'autres mesures avec une méthode différente, mais beaucoup moins précise. Et lui, il trouve pas 250 000 stades, il trouve 180 000. Donc la Terre est beaucoup plus petite. Alors après, je ne vous parle pas des délires. Hein. Par exemple, vous avez Cosma Indicoplus, quand la religion commence à arriver là-dedans, alors là, c'est la topographie chrétienne. C'est le livre qui a fait foi pendant à peu près 10 siècles. Alors là, la Terre, elle a la forme d'un espèce de plateau avec une montagne au milieu. C'est là où Noé a perdu son bateau ou je ne sais pas quoi. Là. Et elle est enfermée dans un tabernacle avec un pied. Et puis il y a une boîte, et puis il y a le petit Jésus, il peut ouvrir la boîte, et il peut faire des bêtises, ou je ne sais pas quoi. Tout ça est décrit dans la topographie chrétienne, 5e, 6e, 7e. Donc vous voyez l'hypothèse d'Ératosthène, tout ça, c'est complètement oublié. Alors, plus sérieusement, vous avez Pierre d'Ailly,
qui en 1410 fait la synthèse des connaissances et établit tout un tas de géographies, de distances sur la Terre, etc., de façon très sérieuse, avec toutes les données dont il disposait, et voilà ce qu'il trouve. La circonférence de la Terre, c'est 10 200 lieues. Alors c'est pareil, la lieue, on ne sait pas très bien combien ça vaut, mais d'après les estimations, on pense que ça vaut entre 1,5 et 2 km. Vous avez une Terre qui est vraiment petite, hein, d'accord ? Vraiment petite. Ensuite, les écarts en longitude sont vraiment complètement faux en 1410, d'accord ? On pensait que l'écart entre l'Espagne et la Chine, c'était 225 degrés au lieu de 130, c'est-à-dire il y avait une erreur de 100% pratiquement. Alors, au passage, c'est ça qui a motivé le voyage de Colomb. Hein. Quand on vous dit que la Terre est toute petite et qu'on met 3 mois en chameau en faisant des milliers de kilomètres pour aller chercher... de l'herbe, du shit, c'est pas ça que je voulais dire, du poivre, enfin plein de trucs comme ça, quoi. En plus, c'est super dangereux, parce que quand vous transportez tout ça sur le retour, vous faites attaquer par des pirates, par tout ce que vous voulez. Alors, Christophe Colomb, lui, il arrive, il va voir la reine d'Espagne, il lui dit, mais c'est des abrutis, les autres, ils y vont en chameau. Tu me files 3 bateaux, moi je vais y aller par la mer. Hein, la Terre, elle est toute petite. Eux, ils en chient comme des malades pour faire le tour comme ça. Moi, je vais y aller comme ça, tout droit. Le vent, il va nous pousser. En 3 semaines, on est en Inde. En plus, on a des bateaux. Il n'y a personne sur la mer, donc on ne sera pas attaqué. On revient avec des cargaisons pleines. Et tu vas être super riche. Elle signe. D'accord ? Alors qu'elle avait des conseillers scientifiques, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, il y en a quelques-uns qui disaient, oui, mais cette estimation... En fait, ils avaient complètement oublié les travaux d'Ératosthène. Oui, ou dit, non, mais non, c'est faux, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. D'accord ? Complètement oublié. Alors, pour Aristarque, c'est encore plus intéressant. Alors, l'hypothèse d'Aristarque a été adoptée de façon assez unanime, mais quand on a commencé à réfléchir un petit peu, notamment Archimède, lui... C'était un mathématicien surtout. Il a essayé d'inventer des grands nombres pour mesurer des grandes choses. Alors le plus grand nombre qu'on utilisait à l'époque, c'est ce qu'on appelait la myriade. Une myriade, c'est 10 puissance 5. D'accord ? C'est pas beaucoup. Et donc il voulait utiliser ce nombre pour savoir comment on pouvait définir des grands nombres. Alors il a essayé d'entreprendre de mesurer combien on pouvait mettre de grains de sable dans tout l'univers. D'accord ? Et alors il fallait qu'il ait une taille de l'univers. Et alors il a réfléchi avec les données d'Aristarque, d'Ératosthène, etc. Il a fait un univers qui avait une taille très grande pour lui, mais ridicule par rapport à ce qu'on sait actuellement. Disons que la taille de l'univers, c'était une espèce de sphère qui était grande, comme à peu près le rayon de cette sphère, c'était à peu près 3, 4, 5, 10 fois la distance Terre-Soleil. Et donc, il fait la réflexion suivante. Si vous avez dans ce système-là, d'accord, un univers qui est grand comme 10 unités astronomiques, si la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, les étoiles qui sont loin, vous allez les voir bouger entre l'été et l'hiver, parce que vous avez un mouvement de parallaxe. Donc, l'hypothèse d'Aristarque est tout à fait séduisante, mais elle est fausse parce qu'on n'observe pas le mouvement des étoiles, le mouvement de parallaxe des étoiles. D'accord ? Donc on n'a pas du tout rejeté l'hypothèse d'Aristarque pour des raisons religieuses ou quoi que ce soit, on les a rejetées pour des raisons scientifiques, parce qu'on avait d'autres hypothèses sur la taille de l'univers. L'univers de l'époque était grand pour eux, parce que pourquoi faire un univers aussi grand, si plein de vide ? D'accord ? Donc il n'était pas si grand que celui qu'on croit, et donc il n'y avait pas de mouvement de parallaxe. Alors, pour votre information, les premiers... Parce qu'effectivement, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est ce qu'on pense, vous allez voir. Les premiers mouvements de parallaxe... Donc, il y a effectivement un mouvement de parallaxe des étoiles. Bien, les premiers mouvements de parallaxe des étoiles ont été déterminés par Bessel en 1830. Hein, c'est à partir du 19e siècle qu'on a eu la capacité technique de pouvoir déceler le mouvement de parallaxe des étoiles. D'accord ? Vous voyez, c'était une mesure qui n'était pas du tout accessible à l'époque, et c'est pour ça qu'on a rejeté cette hypothèse. Alors après, il y en a eu d'autres. Hein. Ben, tout simplement, le système est géocentré parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Si vous ouvrez l'Ancien Testament, vous lisez que l'Éternel, avec un grand T, a arrêté la course du Soleil
et la course de la Lune pour permettre à Josué de finir sa bataille. Donc c'est écrit, vous voyez, c'est écrit là, c'est un extrait de l'Évangile, de pas de l'Évangile, hein, de l'Ancien Testament, c'est écrit. Donc à partir du moment où c'est écrit, ben, on ne peut pas le remettre en question. Donc c'est géocentré, point. D'accord ? Et puis, c'est ce qu'on croit voir. Hein ? Quand vous regardez le mouvement du soleil, vous avez l'impression que c'est le soleil qui bouge. Alors on en est où actuellement, là, au XXIe siècle ? Parce que là, vous dites, ouais, c'est évident et tout ça. Ben, détrompez-vous. Alors il y a une statistique que je produis souvent dans mes conférences, je dis souvent des choses, mais là, j'apporte la preuve de ce que je dis. Voilà, un sondage, d'accord ? La source, vous la trouvez sur Internet, je l'ai si vous voulez, c'est un document de 150 pages qui est réalisé par l'Union européenne, ça s'appelle le baromètre européen sur les sciences et la technologie. C'est un truc qui est produit tous les 5 ans, d'accord ? Il y a 1500 personnes qui ont consulté dans les 25 pays, en 2005 il y avait 25 pays dans l'Union européenne, plus les 3 pays qui allaient entrer, plus 5 pays qui sont un peu frontaliers, je crois qu'il y a... la Turquie qui est rajoutée, plus de quelques autres pays. D'accord ? Et donc, il y a un mec qui vient chez vous. D'abord, il vous appelle pour dire est-ce que vous voulez participer à un sondage pour, pour l'Europe et tout, ok. Donc, vous lui payez du pastis. Et le mec, il vous pose des questions. Alors, voilà les questions. D'accord ? Vous avez lu un peu ? Donc, vous avez 3 possibilités. Vrai, faux, ne sait pas. Ok ? Alors, déjà... Donc, je vais vous donner les réponses. Alors, je ne vais pas vous donner les réponses. Je vais vous donner les résultats. D'accord ? Alors déjà, je vous montre « ne sait pas ». Alors ça, c'est un peu étonnant. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent. D'accord ? À part pour quelques questions. Hein, vous voyez, 25%, un quart des Européens, ils ne savent pas. Donc ils disent « je ne sais pas ». Alors il y en a peut-être qui sont un peu fiers. Ils disent « ouais, je ne vais pas dire que je ne sais pas ». D'accord ? Vous avez eu les questions ? Alors, on ne va pas faire le test, hein, d'accord ? Parce que d'abord, je suis sûr du résultat. Ici, vous êtes tous des super forts, et donc je pense qu'on n'aurait pas trop de surprises, d'accord ? Et vous avez vu que dans ces questions, bon, il y a un peu de tout, hein, il y en a qui plaisent à Pierre, hein, par exemple, vous voyez, les continents sur lesquels nous vivons se déplacent depuis des millions d'années et vont continuer à se déplacer. Le centre de la Terre est très chaud. Ne sait pas 7%. D'accord ? Celle-là, j'aime bien. Du lait radioactif peut être rendu buvable en le faisant bouillir. Non, mais ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. Hein. C'est vous, c'est nous. Hein. C'est des mecs tirés au hasard. Hein. D'accord ? Alors, les réponses. 30% des Européens pensent que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. D'accord ? 17% des Européens pensent que la Terre parcourt son orbite en un mois. Désolé pour ceux qui pensaient que c'était ça, hein, la bonne réponse. Alors vous voyez que, en moyenne, c'est toujours la bonne réponse qui sort. Hein. D'accord ? Des fois, c'est limite. Hein. Pour les électrons et les atomes, là, si on additionne ces deux-là, on a plus que là. Mais ça, c'est prise de tête. Hein. Alors qui est le plus gros ? Les électrons ou les atomes ? Compliqué ça. D'abord, il y a des questions qui sont un peu bizarres. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un électron ? Est-ce que ça a un rayon ? Dans quel modèle on se place ? Moi, s'il me posait des questions, je ferais chier le mec, hein, qui pose des questions. Il dit, vous pouvez préciser la question ? Vous m'avez dit de ne pas dire hardi ou je ne sais pas quoi, mais... enfin bon. Les premiers humains ont été contemporains des dinosaures, 23%. D'accord ? Super. L'humanité telle que nous la connaissons actuellement s'est développée à partir d'autres espèces animales primitives, 20%. Voilà où on en est au XXIe siècle. Moi je dis qu'il y a du boulot quand même. Et puis avec ce qu'on est en train de faire au programme scientifique là, dans l'éducation en France en tout cas, ben, je pense que ça ne va pas s'arranger. Hein. D'accord ? Donc voilà, vous voyez que il y a plus de 20 siècles, on a compris des choses, on a des expériences très simples qui peuvent être expliquées à tout le monde et qui sont très convaincantes et qu'il n'y a plus rien à dire. Et pourtant, quand on pose la question aux gens... Alors, vous pouvez trouver ce document hein, sur le web, il n'y a aucun problème, sinon vous me le demandez. Hein. Et puis, il y a beaucoup
beaucoup d'autres informations. Hein. Il y a les réponses en fonction des catégories socio-professionnelles, des garçons, des filles, des jeunes, des vieux, des moyens, des actifs, des pas actifs, de ceux qui boivent de la vodka en se levant, etc. C'est 200 pages le bouquin. Hein. C'est vraiment un truc, c'est sérieux. Quoi. D'accord ? Voilà. Alors, on va changer un peu de sujet. Hein. On va parler maintenant de la cause des mouvements. Alors, la cause des mouvements en astronomie, ça aussi, c'est quelque chose qui est... vous êtes peut-être déjà posé la question. Pourquoi tout ça, ça bouge ? Pourquoi ça tourne ? Etc., etc. Là, c'est pareil. Les Grecs, ils avaient apporté la réponse. C'est essentiellement Aristote. Alors, le monde d'Aristote est très simple. Hein. Vous avez le monde sublunaire, en dessous de la Lune, hein, parce qu'on est revenu à un monde géocentré. Donc, vous avez la Terre, la Lune, et puis les planètes. Tout ce qui est en dessous de la Lune, c'est là où on habite, c'est le monde sublunaire. Et puis, il y a quatre éléments dans ce système, là, sous la Lune. Il y a l'air, le feu, la Terre, et puis l'eau. Enfin, ça, c'est un truc qu'il faut mettre avec de l'eau, hein, mais c'est pareil. Et puis, il y a des relations entre tout ça. Il y a l'humide. L'humide, c'est la relation qu'il y a entre l'air et l'eau. Le froid, c'est entre l'eau et la terre. D'accord ? Le sec, c'est entre la terre et le feu. D'accord ? Bon. Les mouvements dans ce système sont causés si on est en dessous de la Lune et sont non causés, parce que c'est divin, si on est au-delà de la Lune. Donc, le mouvement des planètes est naturel. Il n'est pas, il n'y a pas besoin de le... ça marche tout seul. D'accord ? D'ailleurs, ça va être repris par l'Église, hein. En fait, c'est les anges qui font tourner les sphères, qui portent les planètes. Alors, les grosses planètes ont besoin d'avoir des anges très forts, c'est les archanges avec des ailes turbo et tout ça, là. Il y en a plein. Et puis, les petites planètes, c'est des tout petits anges, vous savez, ceux qui envoient des flèches dans le cœur des amoureux, là. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie des anges. Hein ? C'est écrit dans la Bible, il y a des anges, on ne savait pas quoi foutre avec les anges, donc on leur a dit, ben voilà, on a compris, c'est eux qui font tourner les sphères, qui portent les planètes. Et alors le mouvement des objets sur la Terre, donc au-dessous de l'orbite de la Lune, ben là c'est causé. C'est causé par quoi ? Ben, c'est le retour à la sphère naturelle. Alors ça c'est un truc qui est super convaincant. Je suis sûr que si on enseignait ça à l'école, les mecs ils diraient, quand vous dites voilà le mouvement c'est somme des forces égale ma, m d2r sur dt2 égale moins gradient d'énergie potentielle, les mecs ils disent voilà, prise de tête et tout. Je vais vous donner une autre explication. Quand vous prenez un caillou et que vous le jetez, ben vous le sortez de sa sphère naturelle. Sa sphère naturelle, c'était la Terre, et puis vous le jetez dans l'air. D'accord ? Alors il n'est pas content. Ben parce qu'on a enfermé du feu dans la Terre, et elle veut sortir, et elle monte. Pourquoi il y a des étoiles filantes ? Ben c'est pareil. Il y a du feu qui était emprisonné dans l'air, et qui veut revenir à sa sphère naturelle, qui est au-dessus, qui est du feu. Pourquoi il y a des sources ? Pourquoi ? Enfin, en utilisant ces principes très simples, on arrive à expliquer le mouvement de tout un tas d'objets. Il n'y a pas de formalisme, c'est convaincant, et ça marche. D'accord ? Et bien pendant 18 siècles, c'est ce qui était enseigné à l'école. D'accord ? Et tout le monde était très content avec ça. Alors c'est à partir de la Renaissance, hein, qu'on va remettre un peu ça en question. À partir de Galilée, quand on va trouver des mouvements qui ne sont pas causés, le mouvement est comme rien, le mouvement rectiligne uniforme est comme rien, il n'y a pas besoin de provoquer ce mouvement. Et Newton qui va expliquer qu'en fait... la variation de la vitesse est due à une force. C'est même ça, une force. Dès que vous avez quelque chose qui a sa vitesse qui varie, c'est qu'il est soumis à une force. Alors après, il vous suffit d'observer la nature. Donc vous allongez par terre comme ça, hein, je le fais souvent moi, puis je regarde. Alors vous regardez un pommier par exemple. Vous avez une pomme, elle est à vitesse nulle, et puis d'un coup elle se met à tomber. Donc sa vitesse était nulle, et puis elle se met à grandir. Donc sa vitesse a varié. Donc si la vitesse a varié, c'est qu'il y avait une force. La Lune. La Lune, elle tourne autour de la Terre. D'accord ? Donc à un instant donné, elle va par là. Et puis un instant plus tard, elle va par là. Donc la vitesse, là, elle n'a pas varié en intensité, mais elle a varié en direction. Donc elle a varié. Si elle a varié, c'est qu'il y a une force. Et l'idée de Newton, c'est de dire que cette force, c'est la gravitation. Quand vous dites, quand vous expliquez ce que c'est qu'une force, une force, c'est la variation de la vitesse. Et bien après, ben, il suffit d'observer les trucs et vous trouvez les forces. Et il trouve même, hein, en faisant le rapport, l'analyse des temps de chute, il trouve que la force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Alors ça, c'était la grande hypothèse, hein, de Newton.
Alors, est-ce qu'on peut vérifier cette hypothèse? Alors, on fait les calculs, et puis, qui faisait la gravitation. Alors, comment on peut tester l'hypothèse? Eh bien, on regarde la conclusion, on fait la théorie, et on regarde la conclusion. Alors, si on applique la théorie de Newton à la Terre, et la théorie de Descartes à la Terre, on aboutit à deux conclusions différentes. Dans la théorie de Newton, la Terre a la forme d'une clémentine, et dans la théorie de Descartes, la Terre a la forme d'un citron. Alors la Terre est aplatie au pôle, ou la Terre est allongée au pôle. Alors qui a raison? On est en 1766, d'accord? Comme je dis chaque fois, quelle est l'idée? Ben, on mesure 1 degré de méridien au sol. Alors si la Terre est allongée au pôle, ça c'est 1 degré, hein, un peu élargi, mais disons 1 degré. Donc vous allez à haute latitude, vous mesurez 1 degré de méridien au sol. Et vous avez, autour de l'équateur, vous mesurez 1 degré de méridien au sol. Si la distance qui est là est plus courte que la distance qui est là, c'est que la Terre a la forme d'un citron. Si c'est le contraire, si elle a la forme d'une clémentine, ben, la distance qui est là est plus petite que la distance qui est là. Voilà ce qu'on explique au roi. Le roi a dit « Ok, donc toi, tu vas là, toi, tu vas là. » Alors, ceux qui l'envoient en Laponie, c'est Maupertuis. Alors, il venait de fonder l'Académie des sciences et tout ça, donc il y avait plein de mecs qui ne savaient pas quoi foutre. Et donc, il les envoie. Ceux-là, il les envoie en Laponie. Et ceux-là, plus Jussieu. J'ai pas trouvé de photo de Jussieu. C'est pas celui de l'université, hein, c'est Joseph, c'est un autre. Ceux-là, il les envoie au Pérou, parce que c'était le seul endroit sur Terre à peu près présentable au niveau de l'équateur et tout, même si c'est pas terrible, parce qu'il y a des moustiques gros comme des hélicoptères, il y a des mecs qui bouffent, enfin bon, c'est un peu là. Alors qu'en Laponie, ça va, quoi. Il fait froid, mais ça va. Alors d'ailleurs, ceux qui vont en Laponie, ils sont accueillis par la reine, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas Christine, mais il y a eu beaucoup de reines en Suède. Et celle-là était super accueillante. Elle délègue à chacun des académiciens des lapones avec pour objectif de les réchauffer. C'est pas des bêtises, hein. Elles avaient pour mission de réchauffer les académiciens. D'ailleurs, elles ont super bien. Enfin, les académiciens ont mis en pratique, puisqu'ils ont promis plein de trucs. D'ailleurs, elles sont. Donc le voyage a duré, l'expérience a duré un an, d'accord? Et quand ils leur avaient dit oui, ils avaient dit au Lapone, ouais, tu viendras à Paris avec moi, je vais te montrer la tour Eiffel et tout. Et puis ils sont partis comme ça, et les Lapones sont venus à Paris, et elles ont porté plainte contre les académiciens, il y a eu des procès, on a les traces du procès des Lapones contre les académiciens suite à la mesure du méridien en Laponie. Alors, voilà le résultat de l'expédition en Laponie, donc 1 degré. Ils ont mesuré, alors comment ils font pour mesurer, hein, je vais vous expliquer ça. Donc 57 437 toises. Une toise, ça fait à peu près 2 mètres. D'accord? Et puis, donc vous voyez, un an, ils ont trouvé un lac gelé, ils avaient les lapones, ils avaient des toises, ils ont mesuré tout droit, impeccable. Les autres, ils sont au Pérou, dans la cordillère des Andes. Puis il n'y a pas de lapone, hein, d'accord? La mesure dure... plus 12 ans, d'accord, 12 ans, pour faire la même mesure, hein, sauf qu'ils sont au Pérou. Alors comment ils font? Ben, en fait, il y a le méridien qui est là, et ils font de la triangulation, c'est-à-dire ils mettent des points, et puis ils mesurent avec des sextants, enfin c'est une mesure terrible, d'accord. La différence d'altitude entre ce point-là et ce point-là, c'est 3000 mètres, enfin bon, c'est des... En plus, ils se séparent, parce que... Alors au début, le roi, il leur envoie du fric et tout, mais au bout de 6 ans, je crois qu'il n'envoie plus rien, les mecs sont obligés de faire des cours à des mecs qui ne comprennent rien aux maths et tout, enfin c'est une catastrophe, ils sont presque tous morts et tout, alors que les autres, ils ont eu des lapones et tout. Et ils trouvent 56 768 toises. Conclusion. Eh bien, c'est la clémentine qui gagne, d'accord? Le degré de méridien est plus grand en Laponie qu'à l'équateur, donc c'est bien aplati au pôle. Vous voyez que les mecs, ils rigolent pas. Il y a des hypothèses, le roi a dit hop, et les académiciens, ils y vont, on mesure, on fait l'expérience, on vérifie les hypothèses. Donc la Terre est devenue aplatie au pôle à partir de cette époque-là, d'accord? Alors ça a été la grande victoire de Newton, hein. À partir de là... la théorie de Newton, alors personne ne comprenait rien à cette théorie. On a commencé à comprendre le contenu des écrits de Newton pratiquement 80 ans après la mort, pas la mort, mais la publication des Principia,
Hein, c'est McLaurin, des gens comme ça qui ont expliqué comment il fallait faire pour... C'était un grand précurseur, Newton. Donc il se trouve que donc, la gravitation de Newton est confirmée, on l'applique à tout ce qu'on peut imaginer pour expliquer le mouvement dans le système solaire. Alors, il se trouve que par hasard, en 1781, Herschel découvre Uranus. Alors Herschel, c'est un mec extraordinaire, hein, il dormait jamais. Le jour, il était musicien et la nuit, il était astronome. D'accord, il dormait pas. Et donc, il avait entrepris de regarder tout le ciel. Et donc, forcément, il regardait le ciel, il faisait des cartes. Et puis un jour, il s'est aperçu qu'en comparant deux cartes, il y avait un objet qui n'y était pas par rapport au dernier relevé. Et donc, il avait découvert comme ça, un peu par hasard, une nouvelle planète qui s'appelle Uranus. Alors, on applique les lois de Newton à cette planète. Il y a des gens très sérieux qui font ça. Un mec gosse, pas. Hein, il gosse, il rigole pas. Hein. Il fait les calculs et tout ça, il invente une méthode, hein, vous connaissez la méthode, c'est la méthode des moindres carrés. Il invente la méthode, il l'applique et tout, hop, hop, il y a un problème, ça va pas. L'orbite d'Uranus n'est pas conforme avec les lois de Newton. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors les mecs ils disent, ouais, Clairaut par exemple, c'est qui était parti avec les Lapones, là, il dit, ouais, c'est que la loi de Newton n'est pas bonne. Euler, le fou là, le fou de l'air, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est vraiment un cinglé. Hein. Il a perdu un œil à 14 ans, il s'est fait bouffer un œil par un dindon. Faut le faire, les gens. Il était assis dans une cour de ferme, il s'est fait attaquer par un dindon. C'est méchant, les dindons. Hein. Qui lui a bouffé un œil, il s'est levé, il est parti, il a couru dans une église pour remercier le Seigneur. Parce que comme ça, toute la partie de son cerveau qui était derrière cet œil allait pouvoir faire des mathématiques en permanence. Euler. Donc Euler, il a fait des calculs, il a dit non, non, Clairaut, c'est n'importe quoi, c'est Newton qui a raison. Alors celui qui va réconcilier tout le monde un peu, c'est Le Verrier. Le splendide Le Verrier. Voilà ce qu'il dit. Il ne nous reste ainsi que d'autres hypothèses à essayer que celle d'un corps agissant d'une manière continue sur Uranus, changeant son mouvement d'une manière très lente. Ce corps, d'après ce que nous connaissons de la constitution de notre système solaire, ne saurait être qu'une planète encore ignorée. Donc il fait des calculs avec les lois de Newton, il dit qu'il y a un truc qu'on ne voit pas, de la matière noire. D'accord? Et donc ce truc qu'on ne voit pas, c'est une planète et ça influence Uranus, et c'est pour ça qu'il y a des perturbations. Il fait des calculs, il envoie les trucs à un pote à lui qui était astronome, l'observatoire de Berlin. Il lui dit, tu regardes là. L'autre, il regarde et il voit. Alors, c'est, vous voyez, c'est l'observatoire de Berlin, c'est écrit en allemand. Hein. Alors là, c'est Neptune observé. D'accord? Neptune observé. Et là, c'est ce qu'il avait calculé. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écart, il y a un degré. Un degré, c'est beaucoup, c'est deux fois la Lune. Hein. Mais bon, grosso modo, on découvre une planète en faisant des mathématiques. Alors, Le Verrier est instantanément statufié devant l'Observatoire de Paris, avec un doigt levé, comme des marquises et tout, etc. Enfin, ça a dû être un grand événement, quoi. D'accord ? Alors, ça a été d'autant plus un grand événement que les Anglais disent qu'en fait, ils l'avaient trouvé avant. Et c'est vrai. Deux ans avant l'annonce d'Adams de Le Verrier, un Anglais qui s'appelle Adams, beaucoup moins connu, beaucoup plus jeune, fait le même type de calcul, d'ailleurs le calcul qui sont faux au passage, mais bon, c'est pas grave, fait le même type de calcul et dit, voilà, regardez là, monsieur, il envoie le texte à un grand monsieur de l'époque, qui s'appelait Airy, qui travaillait à l'observatoire de Greenwich, et il lui dit, est-ce que vous pouvez regarder à cet endroit dont, s'il n'y a pas quelque chose? Là, tu lui dis, casse-toi. Donc ils n'ont pas regardé, eux. Nous, on a regardé indépendamment, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, quand Le Verrier annonce ça, ben, les Anglais disent « Ouais, mais non, on n'a pas regardé parce que ce n'était pas la peine, mais on l'a déjà trouvé deux ans avant vous. » Et donc, il y a une grande controverse. Vous voyez, ça, c'est des articles de journaux de l'époque où on voit des caricatures. Vous voyez, Monsieur Adams cherchant la planète de Monsieur Le Verrier. Elle est là, lui, il la cherche par là. L'Angleterre prenant possession de la nouvelle planète. Vous voyez ? Ou M. Adams découvrant la planète dans le rapport de M. Le Verrier. Donc ça a dû faire un grand buzz, quoi, cette histoire. Les mecs, ils devaient avoir des dizaines de followers sur Twitter. Là. Oui, c'est moi qui a découvert, non, c'est pas toi, etc. Bon. Alors, pour vous dire à quel point c'était impressionnant, on avait d'autres petits problèmes, hein, d'autres en astronomie, en mécanique céleste. On avait repéré un petit problème dans l'orbite de Mercure. Mercure avait une orbite qui était un peu bizarre. Et donc Le Verrier, sur son élan, il continue. Bah oui, c'est parce qu'il y a une planète entre Mercure et le Soleil. Et même il lui donne un nom, il dit ouais, c'est Vulcain. Alors là, vous avez le sauf-conduit qui a été émis par l'empereur. Hein, on est sous le Second Empire. Hein.
Donc là, vous avez l'empereur des Français qui fait un papier pour Le Verrier, qui était directeur de l'Observatoire de Paris, pour qu'il puisse aller en Espagne observer l'éclipse de soleil du 18 juillet. Il fallut attendre environ 50 ans pour qu'on arrive à comprendre pourquoi il y avait un problème sur l'orbite de Mercure. En fait, ce problème, c'est un problème d'anomalie du périgée. Voilà, normalement, là c'est très exagéré, l'orbite de Mercure est une ellipse, et puis il se trouve que l'endroit le plus proche du Soleil, qui s'appelle le périhélie, et celui qui est le plus loin, l'aphélie, se déplace un petit peu comme ça. Alors c'est un mouvement qui est très très petit, 43 secondes d'arc par siècle. Une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré, donc c'est tout petit, donc 3600e de degré par siècle. C'est tout petit, mais c'est un effet qu'on avait réussi à observer. Et alors celui qui explique ce problème, en fait, eh bien c'est pas n'importe qui, c'est Einstein. Dans sa nouvelle théorie de la relativité générale, quand il l'applique à Mercure, la présence de la grosse masse du Soleil déforme l'espace-temps, et Mercure orbite dans cet espace-temps déformé, et ça produit une avance de son périhélie, exactement. Ça a été la première grande vérification de la relativité générale en 1916. Alors, ça a été très bien, mais ça a posé de nouvelles hypothèses. Ça a conduit à de nouvelles hypothèses. En appliquant cette théorie, il y a deux nouvelles hypothèses qui sont apparues. Essentiellement, je vais en parler de deux, d'accord ? Elles sont, à mon avis, intéressantes. Ça a mis en œuvre la possibilité d'avoir des trous noirs. C'est une conséquence assez directe de la relativité générale. Et la deuxième conséquence, deuxième hypothèse qui a été amenée par cette nouvelle théorie, c'est l'expansion de l'univers. Vous voyez, c'est un dans un sens et l'autre dans l'autre. Alors on va commencer par les trous noirs. Alors, oui, ça devrait aller là. Un quart d'heure, c'est bon, Bruno ? Un maximum, ok. Pas de problème, je sais ce que c'est qu'un maximum. Donc la possibilité des trous noirs. Donc ça, c'est très facile. En 1916, Einstein produit sa théorie. Alors, il y avait déjà eu des choses sur les trous noirs en appliquant la théorie de Newton. Je vais passer sous silence cet aspect parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit de la relativité, mais bon, passons. Alors, la relativité générale a été produite, publiée le 18 novembre 1915. Et alors, ça, c'est un truc qui m'a toujours... Je n'ai pas compris comment il a fait. Trois mois plus tard, le 13 janvier 1916, ce monsieur-là, Karl Schwarzschild, résout le premier problème dans cette nouvelle théorie. Alors, il résout un problème dans lequel, dans l'univers, il y a une seule sphère, et autour, il n'y a rien. Et il montre qu'autour de cette sphère, il y a un rayon qui apparaît, d'accord, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et ce rayon il est indépendant du rayon de la sphère qui remplit l'univers. Alors, il y a deux possibilités. Soit ce rayon magique, là, il est à l'intérieur de la sphère. Et alors là, il n'y a pas de problème, puisqu'on ne peut pas y aller, puisque d'abord on rencontre la sphère et on ne peut pas rentrer dans la sphère. Ou alors, ce rayon, puisqu'il ne dépend pas du rayon de la sphère, il est à l'extérieur. Mais alors là, il y a un problème, parce que quand on applique les résultats du calcul de Schwarzschild, on s'aperçoit que quand on vient de là, ou de n'importe où, et qu'on traverse ce truc, là on a de gros problèmes. Mais alors, de gros problèmes, on devient une espèce de... Alors, si c'est un petit trou noir de l'ordre de la masse du Soleil, on a vraiment des problèmes parce que ce truc est assez proche. Si c'est un énorme trou noir comme ceux qu'il y a au centre des galaxies, on ne le voit pas vraiment. Par contre, dès qu'on a franchi cet horizon-là, on ne peut plus revenir en arrière. Et là, il se passe des trucs très étranges. Alors, quand on s'aperçoit de ça, alors en plus, c'est un truc, c'est incroyable, il meurt 158 jours plus tard. Il fait ça, il meurt. Il aurait pu aider les autres, non ? Alors, on convoque tous les scientifiques de l'époque pour essayer de répondre, de comprendre ce qu'il y avait là derrière. Et ça, c'est une photo d'une conférence qui a eu lieu en 1922 sur la nature de la singularité. D'accord ? La singularité qu'il y a autour de cette sphère magique-là. Vous voyez, le dessin que j'ai fait, il est là. Vous avez la sphère de Schwarzschild qui entoure, et c'est Albert qui explique aux autres. Vous voyez, ça fait mal à la tête. Il y avait même Pierre Thomas jeune, d'accord ? C'est pour ça, depuis, il a arrêté la physique, il fait de la géophysique maintenant, d'accord ? Ça a été tout le monde voulait voir et essayer de comprendre ce que c'était ce truc, quoi. D'accord ? Et alors,
ça posait vraiment un problème. Est-ce que c'est un trou noir, dès qu'on a passé cet horizon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors très rapidement, on s'aperçoit qu'en fait, on peut régler le problème. C'est les Anglais qui expliquent ça. Alors, comment on règle le problème? Eh bien, en fait, en mélangeant la mécanique quantique et la physique classique, on s'aperçoit que quand on fait des calculs, et Ralph Fowler qui fait le calcul, il s'aperçoit que le volume d'une étoile multiplié par sa masse est une constante. Donc, si vous voulez ramener le volume d'une étoile à un truc qui est tout petit de manière à le faire rentrer dans son rayon magique, là, eh bien, sa masse va devenir très grande puisque le produit du volume par la masse est une constante. Et alors, en appliquant leur théorie, on s'aperçoit que si on veut compacter le Soleil de manière à le faire rentrer dans sa sphère de Schwarzschild, eh bien, il faudrait avoir une masse de 1000 masses solaires. Et comme une étoile de 1000 masses solaires, ça n'existe pas à leur époque, eh bien, ils ont dit, on exclut l'hypothèse des trous noirs. Très bien, super. Ils deviennent, c'est un papier qui est ultra célèbre ce truc, hein. On fait un calcul et on montre que les trous noirs ne peuvent pas exister. Ok. Et puis il y a un jeune Indien qui entend parler de ça, il veut venir faire sa thèse à Londres, enfin en Angleterre. Donc il écrit à lui en lui disant « Est-ce que je peux venir travailler avec vous ?» Alors il a une lettre de recommandation de Sommerfeld, un des plus grands physiciens de l'époque. Il lui dit « Ce mec, c'est un génie, travailler avec lui et tout. » Donc il lui envoie des sous, d'accord. Il part de Bombay le 22 juillet 1930, il arrive à Londres le 19 août, il part avec l'article de Fowler qui explique tout ça, et quand il arrive, les autres ils viennent le chercher, et quand il le récupère, il disait « Oh, il y a un problème là, c'est faux !» Donc le mec a 19 ans, d'accord, en 19 jours, il refait le calcul le plus compliqué qui permettait de montrer que les trous noirs ne pouvaient pas exister, il montre qu'il y a une erreur, il refait le calcul, d'accord, et il explique que tout ça c'est n'importe quoi. Alors quand il arrive, lui il est vert, hein. Lui, c'était un des scientifiques. À l'époque, on disait qu'il y avait trois mecs qui avaient compris la relativité générale. Il y avait Einstein, Eddington et Schwarzschild. Mais Schwarzschild était mort. Donc ça faisait plus que deux. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Friedman, il y avait Lemaître, etc. Il y en avait d'autres. Mais disons que lui, c'était le pape de la physique de cette époque. Donc le pape de la physique de cette époque voit sa théorie complètement détruite par un mec de 19 ans qui arrive et qui a fait le calcul tout seul, comme ça, dans son coin. Alors au début, lui, il est vert, il essaye d'étouffer l'affaire et tout, et puis très rapidement, on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. Et il montre qu'en fait, une étoile peut mourir de deux façons différentes. Hein. Une étoile de faible masse ne va vraisemblablement pas finir en trou noir. Par contre, une étoile de grande masse a toutes les chances de finir de façon un peu catastrophique. Alors il y a eu toute une histoire, hein, une histoire que j'avais racontée dans ce que j'appelle l'histoire des trous noirs. Hein. Il y a mon idole, Lev Davidovich Lando, qui a participé à ça. Il a essayé de s'extraire de la Russie de Staline en faisant une hypothèse d'un cœur de neutrons dans les étoiles. Alors ça l'a envoyé directement en prison parce que les Américains qui ont lu son article, ils ont dit « mais c'est n'importe quoi ». Alors que lui, c'était un article pour qu'il se fasse inviter aux États-Unis pour y rester. Donc du coup, Staline l'a envoyé en prison. Bon, il en est sorti, il a fait plein de livres superbes. Et puis finalement, ce sont les Américains Oppenheimer et Snyder qui, en 1939, montrent que, en poursuivant les idées de Chandrasekhar, eh bien, c'est la gravité qui finit par gagner et les trous noirs ne peuvent qu'exister. Vous voyez, les hypothèses se suivent, se contredisent, les calculs, les expériences, les observations, etc. Tout ça, ça se suit et ça s'enchaîne. Deuxième hypothèse, et là je vais aller très vite parce qu'Étienne Klein en a parlé hier au soir, c'est l'expansion de l'univers. Alors, très rapidement, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la deuxième conséquence des travaux d'Einstein, de la relativité générale, qui est d'abord faite par lui. Hein. Donc très rapidement, il s'aperçoit que la solution des équations de sa théorie, quand il l'applique à l'univers dans son ensemble, propose un univers dynamique, en expansion, en contraction, enfin dynamique. Et il n'est pas d'accord avec ça. Enfin, ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. D'accord? L'univers n'est pas dynamique. 1917, il regarde ses équations et il se dit « Ah, il y a une possibilité pour empêcher que l'univers soit dynamique. Il faut rajouter une constante. » Donc il rajoute une constante. Pour ça, j'appelle l'hypothèse lambda. Il rajoute une constante, il fixe sa valeur, et là, vous avez une solution d'un univers statique, sphérique, instable, mais c'est pas grave. Donc, tout va bien. Puis il y a des mecs qui commencent à refaire des calculs, hein, notamment Friedman, 1922-1924, il refait des calculs et il montre que
Ben ça, c'est un système qui est très très particulier. Il y a beaucoup plein d'autres solutions hein, qui sont tout aussi intéressantes. Alors, il y a une grosse controverse qui s'installe avec Einstein. Hein. Il n'est pas d'accord, non, qu'est-ce que c'est, ça ne va pas. Alors, le problème, c'est que lui, il meurt aussi. Il est toujours un peu tragique, hein, cette histoire. Il meurt en septembre 25, il ne peut pas défendre ses idées. Pendant ce temps-là, on fait des observations. Alors, les premières observations, c'est Hubble en 1925, puis Slipher à peu près la même année, Lemaître qui commence à montrer que ben, c'est de plus en plus difficile d'avoir un univers qui est statique. Hein. Et puis finalement, c'est Hubble en 1929 avec sa loi, d'accord, complètement fausse, hein, la valeur qu'il trouve et tout ça, c'est pas du tout correct, mais l'idée est là, d'accord, l'univers est bel et bien en expansion. Et donc Einstein reconnaît son erreur, entre guillemets, et donc on retire l'hypothèse lambda. Et donc, de 1917 à 1929, il y avait une relativité générale avec constante cosmologique. À partir de 1929, on a retiré cette constante cosmologique, et puis elle est réapparue. Alors, on avait des modèles. Hein, quand j'étais au master d'astrophysique, bon, on m'a appris la cosmologie sans constante cosmologique. Et puis, à la fin des années 90, donc ça donnait un univers qui était comme ça, hein, même au début du festival, c'était comme ça. Hein. L'univers, on vous montrait l'univers en expansion, décéléré, etc. etc. Et puis, on a fait des observations de supernovae, hein, vous en avez parlé, hein, vous avez entendu parler de ces histoires. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer les distances de façon indépendante des modèles cosmologiques, et là on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Hein. Pour les supernovae qui sont loin, ça suit à peu près la courbe, mais pour celles qui sont proches, eh ben, ça s'éloigne complètement de la courbe. Et donc, à partir d'une certaine époque dans l'univers, il y a quelque chose dans l'univers qui fait que l'expansion s'accélère, et vous savez que cette expansion qui s'accélère est provoquée par ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur l'énergie noire, il y a plein de fils rouges, fils noirs, hein, au moins un, je sais, de mon ami André Fusfa qui va en parler en grand détail, va vous expliquer tout ça. Et donc, en 1998, ou à partir de 1900, ils ont eu le prix Nobel de 2011 hein, pour cette découverte, hein, à peine peu plus de 10 ans entre la découverte et le prix Nobel, c'est rapide. Hein. Donc depuis 1998, eh bien, l'hypothèse lambda est réapparue. Donc vous voyez que cette hypothèse lambda, au début il n'y en a pas, et puis il n'y en a plus, il y en a une, et puis il n'y en a plus, et puis ça n'arrête pas. Alors qu'est-ce que ça va devenir? On verra bien. D'accord? Alors, pour finir, hein, moi j'aime bien Poincaré, j'ai plein d'idoles, hein, Lagrange, Poincaré, Landau, enfin bon. Mais lui, j'aime bien quand même. Alors voilà ce qu'il dit sur les hypothèses. Alors douter de tout ou tout croire, hein, ben, c'est deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Donc faire des hypothèses, en fait, ben, c'est réfléchir. Et c'est ça qu'il faut. Hein. Faites-moi ce que je dis. Tous ceux qui vous disent, ouais, prise de tête ou quoi, vous leur dites, la tête, ça sert à être pris. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle et éventuellement projeter s'il y a des questions sur Internet? Merci. Vous avez cité discussion sur l'infini en mathématiques, etc. Archimède a initié ce genre de réflexion en mathématiques, mais en astrophysique, en astronomie, disons, à ma connaissance, il n'a pas de contribution importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut voir les questions éventuelles Internet sur l'écran, s'il y en a? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, tout était... Je suis d'accord avec vous, tout était très clair, hein, mais néanmoins un petit approfondissement, quelque part. Non, pas de questions du tout? Vous êtes bien sage ce soir, vous n'êtes pas déjà fatigué quand même dès... J'ai un peu débordé. Hein. Dès le deuxième jour du festival. Oui, mais on a droit pour les questions quand même encore jusqu'à 8 heures. Voilà. Je suis là toute la semaine aussi, hein, si vous voulez. D'accord. S'il y en a qui veulent se faire démontrer le théorème du Viriel ou la formulation lagrangienne de la théorie monde, ou... pas de problème.
Il y a un monsieur qui a une question. Où est la sortie? Par là, monsieur. Bonsoir, merci. Non, c'était en sortant. Je ne me rappelle plus qui était l'honorable gentleman, mais l'histoire du puits de Sienne, oui, et la mesure du... Oui, c'est Eratosthène. Voilà. Comment résout-on le problème de la simultanéité des deux mesures? Alors, ou alors est-ce qu'elle n'a pas d'importance? Alors, si, c'est bien sûr, c'est une importance cruciale. Donc, il faut faire la mesure de la longueur de l'ombre exactement à midi. Alors, observez bien demain, parce que c'est à midi que le soleil se met exactement au-dessus du puits. Ça, c'est un constat. D'accord? Donc, il sait que c'est à midi qu'il se met exactement au-dessus du puits. Donc, il faut, sur un même méridien, mesurer la longueur de l'ombre portée d'un objet, d'un bâton, par exemple, à midi, au deux mêmes instants. Donc, à midi. Comment savoir qu'on est exactement à midi et sur le même méridien? Sur le même méridien, c'est une hypothèse. Il faut faire l'hypothèse que les deux objets sont sur le même méridien. Sienne et Alexandrie, c'est pas exactement vrai, mais c'est pas trop faux. Comment savoir qu'on est exactement à midi? Ben ça, c'est facile. Demain, on vous fera l'expérience. Mesurez ou regardez la longueur de votre ombre au cours de la journée. Qu'est-ce que vous allez constater? Ben qu'à midi, la longueur de votre ombre est la plus petite possible, parce que le soleil est au plus haut. Donc c'est quand le soleil est au plus haut que votre ombre a la plus longue, a la plus courte distance, la plus courte longueur. Donc il suffit de planter un bâton, une obélisque, et de mesurer l'ombre. Le moment où la longueur de cette ombre est minimale, c'est que vous êtes exactement à midi, au midi solaire. Et donc il suffit de mesurer la distance minimale, la longueur minimale de l'ombre portée de l'obélisque pour faire la mesure de l'expérience des Eratosthènes. Alors, si vous faites avec deux bâtons, là c'était parce que vous aviez un puits, donc vous saviez que c'était ce jour-là, à cette heure-là, qu'il fallait faire l'expérience. Mais si vous voulez faire l'expérience sans puits, eh bien vous mettez sur deux points de la Terre qui sont sur le même méridien, d'accord, et vous plantez deux bâtons. D'accord? Et vous convenez avec... vous mettez par exemple à Florence, et quelque part sur la Terre, sur le même méridien, par exemple du côté de Cotonou au Bénin, c'est là où je fais souvent l'expérience. Et donc, sur le même méridien, vous plantez un bâton de façon faisant un trou, etc. Il n'y a même pas besoin que ça soit perpendiculaire, hein, c'est pas grave. Et vous regardez sur un papier, vous mettez un papier par terre, et vous mettez des croix à l'extrémité de l'ombre. D'accord? Et ensuite, vous mesurez la distance entre le pied du bâton et la croix, et vous allez avoir une courbe qui va passer par un minimum. Et à l'endroit du minimum, vous avez la distance qui vous sépare du pied du bâton, d'accord? Et vous avez comme ça, comme vous connaissez la hauteur du gnomon, vous avez la valeur de l'angle. Si vous avez la valeur de l'angle à un endroit, qui s'appelle la latitude, hein, cet angle. Si vous avez la valeur de l'angle à un endroit et la valeur de l'angle à un autre endroit, vous appliquez la méthode d'Eratosthène et vous trouvez la circonférence de la Terre. Ça marche. Society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future.